Salut! Eh bien, je vous retrouve avec cette dernière vidéo de la Maison Dieu, l'arcane 16. Et le thème aujourd'hui, je vais peut-être arrêter de bouger. Et le thème aujourd'hui, ce sera le bien-être. La Maison Dieu face au bien-être. Et cette première question, c'est: que puis-je faire pour me sentir mieux globalement? Eh bien, avec cet arcane-là, eh bien, on peut imaginer qu'il y ait une espèce de danse, comment dire, danse voilà, danse pour célébrer les choses de manière très joyeuse, de manière très expressive. C'est l'idée d'exprimer sa joie, voilà. Il va falloir exprimer sa joie, son bien-être. Et en fait, se débarrasser de toutes ces choses qui sont ces mauvais sentiments, ces émotions qui sont mauvaises, tous ces schémas un peu obsolètes qui étaient ancrés en nous et qui, tout d'un coup, il va falloir les faire sortir et faire bouger tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bon que je fasse pour mon développement personnel? Eh bien, il y a une certaine, comment dire ça, une certaine, il y a, en fait, c'est une idée d'aventure, mais plus par l'action. Il va falloir faire des choses, quitte à aller partir à la campagne ou carrément dans un autre pays. C'est en fait l'idée de bouger, d'avancer, de sortir, voilà, de sortir de chez soi. Voilà, c'est en fait. Il y a cette idée qu'il est temps en fait de remettre un peu en question, de se remettre en question et de l'accepter, voilà, d'être prêt et se dire, bon ben voilà, maintenant c'est bienvenu, je prends ce qu'il y a à prendre, j'ai compris ce qu'il y a, j'ai exprimé les choses, voilà. En fait, sortir tout ce qui était enfoui à l'intérieur et se dire, bon ben voilà, je fais tout sortir, voilà, pour gagner en soulagement et en bien-être. Alors, ma vie n'a pas de sens. À quel problème fondamental m'attaquer maintenant? Eh bien, on retrouve toujours la même chose, c'est faire éclater les choses en quittant, en allant ailleurs. Voilà, pour trouver ce sens à sa vie, il va falloir faire sortir les choses, les exprimer, les dire, même si ça devait être un peu violent, parce que violent dans le sens où c'est soudain, où il y a des choses qui arrivent un peu brutalement comme ça, mais c'est pas grave, en fait c'est pour aller mieux, c'est pour se soulager de tout ce qu'on a gardé qui était enfoui en nous. Voilà. Alors, j'ai un tout petit extrait que je vais vous lire et que j'aime bien, toujours avec voilà, le livre de Jodorowsky, La voix du tarot. Et il dit: Et si la maison Dieu parlait, elle dirait: Je suis le temple, le monde entier est un autel que je sacralise, mon existence comme la vôtre prouve à chaque battement de cœur que le monde est divin, que la chair est une célébration vivante et la vie une construction incessante. Avec moi, vous connaîtrez la joie, qui est la clé du sacré. Je suis la vie même, la transformation et la reconstruction, la flamme et l'énergie du vivant, de toute la matière et de tout l'esprit. Si vous voulez entrer en moi, il faudra vous réjouir, jeter au feu les caprices enfantins de la tristesse et de la peur, et vous demander à chaque réveil quelle est la fête. Je suis la joie cataclysmique du vivant, l'imprévu permanent, la merveilleuse catastrophe. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt et belle soirée à vous. Bye bye.